toute la tuyauterie là. En plus, regarde-moi ça, c'est une série de pâtes. Oh là là. En légère baisse. Enfin, votre week-end d'avenir avec une météo qui s'annonce gris et pluvieux sur le nord-ouest pour la journée de samedi avec un peu de vent, ailleurs du soleil. La pluie se mettra vers l'est pour la journée de dimanche. Ailleurs, une météo qui sera brumeuse et un avis de 3 sur 5. Ça aura le plaisir de vous retrouver ce soir, juste avant le journal de 20h. A tout à l'heure, merci. Ça m'arrive tout le temps, je sais jamais par où commencer. Moi non plus, on devrait serrer la main comme les Américains, ça serait plus ça. Ben d'accord, ben salut. Salut. Parce que moi je suis en retard. Ah non mais t'en fais pas, je viens d'arriver. Ok, ben après vous madame. Mademoiselle. Après vous mademoiselle. C'est fou que tu connaisses ce resto. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est mon resto préféré. J'ai même fêté mon anniversaire ici. Non, moi j'adore ce resto. C'est mon ami Laurent qui m'a emmené ici pour la première fois. Ils ont un très bon steak d'autruche. Mais c'est leur cocktail que j'adore, mais le lendemain c'est dur. Hein. On en reprend une autre ? Ok, mais je te préviens, je suis déjà un peu saoul. Parle-moi un peu de ton job. Je vais pas te saisir. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Bah, je sais pas. Un avocat qui fait de l'humanitaire, c'est pas commun. Ah, bah, j'ai toujours voulu faire ça. Mais j'ai travaillé dans les grands cabinets. C'était intéressant. Je dis pas. Mais c'est pas pour ça que je voulais devenir avocat. Ah. Bon, et toi, sinon ? Donc, ton assoce, elle s'occupe des enfants défavorisés, c'est ça ? Mm. Ça fait combien de temps que tu travailles là ? Ça va faire bientôt 5 ans. c'est plus qu'un petit centre d'accueil, quoi. Maintenant, c'est vraiment un centre de réintégration. C'est impressionnant. Mais bon, assez parlé des autres. Parlons un peu de toi. T'aimes quoi ? Comment ça ? Je sais pas. Est-ce que t'aimes comme musique, par exemple ? Bah, un peu tout. Bon, j'écoute surtout des tubes des années 80, en fait. Ah, c'est vrai, mais c'est marrant, ça, moi aussi. J'ai un peu honte, mais je connais tout Dépêche Mode par cœur. C'est pas vrai. Mmh. Moi aussi, j'adore. Je les ai vus au moins 6 fois en concert, j'ai tous leurs CD et tout. Ouais. T'as écouté leur dernier album ? Ah bah, évidemment, j'adore la 3. Wrong ? Voilà.
j'adore aussi. Oh ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Tu disais quoi? Ouais, donc je disais, l'année dernière, j'étais en Colombie. Et ensuite, bah, cet été, j'étais en Inde. Sérieux? Hmm? De quel côté? Bah, dans le Nord. Arrête. C'était à quel moment exactement? Écoute, j'étais la deuxième quinzaine d'août. C'est pas vrai. Non, mais c'est incroyable. J'étais là exactement au même moment. On aurait pu se croiser. D'ailleurs, on s'est peut-être croisés. Non, non. Non, non, ça, je m'en serais souvenu. Dépêche mode. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, ça. Excuse-moi, j'étais ailleurs. Tu veux un café? Hein? Bah, en fait, après, c'est pas ça que j'ai quitté Nîmes, quoi. Ça va pas, Fred? Hein? Si, si, excuse-moi, je pensais à autre chose. À quoi? Non, c'est bête. Ouais, je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas passé un moment si agréable. C'est pareil. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Oui. J'ai passé une très belle soirée. Moi aussi. Faut trop arroser, mais... J'espère à bientôt. À l'américaine. Tu veux pas venir boire un verre? Ah, j'aimerais beaucoup, mais je pense que je vais dire non. Je préfère qu'on prenne notre temps. Attends. Faut que je file. J'avais complètement oublié, j'ai un rendez-vous demain matin. Et j'ai rien préparé. Tu restes pas? Ah non, non, je peux vraiment pas. Te lève pas, hein. Je connais la sortie, merci. Tu m'appelles? Ah bah, on se voit sur Facebook, hein. Found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for
can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? Thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?